Bonjour et bienvenue dans Hollow Knight, épisode 2. Ce fameux jeu, ce beau jeu, je saute partout, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on faisait? Oui, nous n'avions pas fini d'explorer. Hop, les dessous, les tréfonds de cette grotte. Nous n'étions pas allés par là. Le téléphone, il va là-bas. On s'en fout. Peut-être. Si. Je me suis vite fait entraîner pour paraître moins débile. Ça va être bien. Ça commence. Tout va bien. Ce fil des écouteurs qui fait n'importe quoi. Et donc, il fallait que j'aille là. Qu'est-ce que... Oh. Allons là-bas. Nous ne connaissons absolument pas ce monde. Et... Oh, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Oh, tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants, et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre, situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelle autre merveille se trouve plus profondément en dessous de nous? Oh, je peux fouiller plus profondément en toi, mais tu vas pas kiffer. C'était légèrement grivois. Si! J'y vais. Allez, on se casse. On a plein de choses à faire et pas beaucoup de temps. Toute cette déco inutile et futile, cassons-nous. Toi, tu meurs! Ouh! Ouh, tu n'as rien vu venir, je t'ai tapé par les trois côtés. Je n'ai pas pu sauter. Merde, c'est vrai, il faut que je regarde la carte un peu. Comment on fait? Voilà. Alors, on était là tout en haut. J'ai une souris. Non, je n'ai pas accès à la souris. On était tout en haut, la salle, juste à droite, avec le petit dôme avec les épines. Du coup, bon, bah, on va avancer, hein, comme dans foiré. Et là, si on peut descendre. Parce qu'en fait, là, le scarabée qu'on a eu, c'est pas la salle avec les grandes cornes. Non, non, non. C'est compliqué, mais ce n'est pas du tout cette salle-là. Du coup, on va essayer d'atteindre cette salle. Hein. On ne sait pas ce qu'on peut y avoir. Découvrons. Oh, l'argent. Non, n'allons pas en bas. Nous avons dit par là. Ah! Dégage! Pauvre fou! Et donc là-bas, normalement, on doit trouver quelque chose, non? À un moment donné. Pardon. Ah merde! On ne devait pas plonger un moment? Oh, de toute façon, il faut explorer. Oh là, cette technique imparable! Mon dieu, mais cet entraînement! Non! Mon entraînement! De toute façon, c'est pas grave, j'ai que ça à foutre. De toute façon, là, on peut rien faire. Et on continue toujours tout droit. Très bien. Et à un moment, on arrive ici. Oh, il y a un bébé des chenilles. On bourre. Attends, on va sauver ce bébé. On peut pas. On est trop loin. Mais oui. Oh, c'est nul. Ok, bon. Je sais pas ce que... Oh putain. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Parce que aller toujours dans cette direction, à un moment donné, faut bien tomber sur quelqu'un. Ah merde, on est allé trop loin. Non. Route oubliée. Non, on s'en fout, c'est ici. On est allé trop loin.
On est passé par où? What the fuck? Attends. On va retourner là-bas et c'était au niveau du puits. Hop, on va speedrunner toute cette zone. Hop. Et toi, bébé, on viendra te sauver un jour. Ne t'inquiète pas. Tu ne resteras pas comme un petit poisson. Toujours s'entraîner le poignet. C'est important, messieurs. Non, ne me tronçonnez pas. Et là, hop. Là, c'était là qu'il fallait aller. On était comme des cons. Mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas le bon trou. Ici? Je me questionne. Une mine. Une mine! Oh, pardon. Oh, terre pâle et légère, ma mère. Enterre les yeux bien fermés, mon père. Ah, c'est horrible. Enterre deux par deux mes sœurs et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Non. Tu la connais celle-là, c'est l'une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose si tu veux. Commence à chanter, je chanterai avec toi. Je suis prête à parier que tu as une voix magnifique. Alors dis-moi, que fais-tu ici? Tu es venu popo devenir riche? Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Ah bon? Vas-y. Mais ça veut pas. Moi ça casse tout et il n'y a pas de fric. Montons. Oh, il y a un tunnel là-bas. C'est par là, il y a un truc. Et attends. Et là, c'est... Ah, ça, c'est une réserve d'âme. Si, on va trouver encore plein de choses. Chou. Et là... Oh la vache. C'est tout? Ça tombe pas? Mais c'est nul! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Bon. Mais on est où, là? On doit être en haut, tout en haut à droite. Très bien, nous sommes pas bons. Mais moi, je ne voulais pas aller là. Je voulais aller là avec la grande salle et l'espèce de choses. Pourquoi le jeu, il veut pas? Parce que c'est de la chienlit si on continue comme ça. Là, si je contourne, on va aller vers d'autres aventures. Oh la vache! Non! Ah ah! Oh fuck! Non! Ah, mais pété en deux! Non! Non! Non, mon âme! Oh, je me suis fait rect. J'ai pas vu qu'il m'avait frappé autant. Je me croyais... Oh non, t'es sérieux? Bah tiens, allez, hop, on va prendre le train. Mais oui, pourquoi j'ai pas pris le scarabée? Mais quel con! Allez, ce jeu est facile. Ling, ling. Merde. Est-ce que je... Il y avait beaucoup de va-et-vient. Est-ce qu'on peut partir? Voilà. C'est bon. Route oubliée. C'est trop bien. Ok. Bon, on s'est foiré. À nous, le monde. Donc, nous étions ici. Maintenant, je sais où il faut aller. Je sais absolument qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Putain, en fait, faudrait tellement qu'on aille récupérer notre la monnaie de notre pièce.
Bah tiens. On est pas loin. Vas-y, viens. Et là. Et là, c'est bon raccourci. Oh là là. Tout de suite, c'est qui réussit le jeu. On va récupérer notre arme juste avant. On va défoncer ce fils de yinche. Il n'y a pas moyen de se laisser marcher dessus par une sauterelle. Ça suffit. Nous sommes un petit être. Tiens, rends-moi tout. Ça marche. Ok. Vas-y, viens. Ça commence mal. Ah mais putain! Barrons-nous! Ah, tu peux... Ah, ça va être chiant. Non, ça suffit. À taper avec ton cul. Mais je peux... Ah oui, ça y est. Oh là là. Tu es décédé. Oh, bébé. Bichou. D'accord, par toi. Et c'est tout. Ok, donc il y avait un garde qui gardait bah, tout simplement cette petite chenille adorable. Vraiment adorable, ces petits trucs. Du coup, on avait dit, nous étions au bon endroit. Oui, c'est ça, au bon endroit. Et donc là, tech, hop, direct, dans le trou. Toi-même, tu sais... Attends, il y a un petit trou là aussi. Je m'immisce partout. C'est compliqué. Non! Ça fait peur, j'y vais pas. J'ai pas assez de lumière. Très bien. Ok. Ok. Non, mais comme un con! C'est pas vrai quoi. Des fois, il y a un peu de skill, et puis des fois, il n'y a rien. C'est bien, hein. On est équilibré. Là, il y a quoi? Ouh la vache, il y a encore un garde, fuck. Attends, on va essayer de le minder. Non! Qu'est-ce qu'on va faire? Oui! Ah merde! Il attaque partout, ce con! Non! Ah! Salaud! J'étais sur notre plateforme, tu n'avais pas le droit. Mais du coup... Allez, on joue sérieux. Je me craque les doigts, regardez. C'est bon, ça y est. On est plus que sérieux. Ça suffit! Reviens ici. Je ne suis jamais mort. Allez, on y va. Ok. Allez, cette fois on run, on rush tout, on gagne tout. Voilà, je m'assois sur mes petites fesses rebondies. J'en ai besoin. Tu meurs. Toi aussi. Toi aussi. Non. Ça suffit. Mon âme. Donne-moi mon âme. Splah! Ok. Non. Non. Parce qu'ils sont chiants quand même ces combats si on doit... on doit attendre... si on peut pas faire plusieurs coups d'affilée. Ça doit donner mal au cœur. On est bien. On pète tout. Non.
Mais quoi? Mais il te restait un point de vie normalement. Sensuya. Voilà. Ok. On est chaud patate. Normalement. Est-ce qu'on est bon? Ouh, long temps de chargement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les zones grisées, c'est là où on a vu déjà. Peut-être. Peut-être pas. Il y a un truc à faire. Mais tout va bien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une grande salle vide en bas? Cling, cling. Tiens. Ah! Quoi? Non! 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 Laisse-moi tranquille! Non! Attends. Mais non, ça ne me touche pas. Vas-y, va mourir. Ok. Comment on va faire? Non. Non. En dessous. Non. Chou. Non. 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 Il m'effleure. Ça ne compte pas. Oh la vache. Bon. Ça va, j'ai prévu. Putain, mais d'accord, ok, c'est un boss. Nous n'avions pas compris ça. On croyait que c'était un petit lézard qui transportait les gens et qui était gentil. Ça va être bien. Regarde, c'est juste en face, on n'a pas besoin de faire beaucoup de chemin. Allez, c'est bon. Toi, on s'en fout. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Tac, tac, tac. Allez. Le petit temps de chargement. On dégomme tout. Si, 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 si. Allez, la petite marche. Non. Bah, quoi? Putain, il y a un petit plafond, j'ai pas pu le voir. Oui, bien. Je suis mauvais. Donc là, t'arrives direct. Le faux chevalier. Ouh, les patterns, on connaît. Chou. Non. Oh, ce blas. C'est bon, déjà? Ah, tapis! Dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche! Ah! Il fait des choses! Oh, je peux me mettre là! Non! Zbrat! Ton armure, c'est de la merde! Comme dans Dark Souls, bateau avec des tissus, du tissu, bateau à poil, ce sera mieux. Ah, cachons-nous. Ça y... Vas-y, viens, viens, viens. Non, 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 non. Esquive. Mais oui, fais-toi tomber du roc dessus. Si. Ah non, pas les cailloux. Non, ma tête. Oh oui, vas-y, viens. Tu es mauvais. Non. Ça y est.
Ah, tu es pas content. Nique-toi. Mange. Oh, oula. Il va exploser. C'est bon? Ah non, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Blason de la ville. Quoi, c'était un petit spermatozoïde comme ça dedans? Mais c'est nul. Attention, il y a plein de choses là. Oh la richesse, ça y est, je suis millionnaire. Il y a un truc au-dessus, non? Évidemment, je peux pas. Mais oh, c'était trop bien, hein. C'est bon, on a le titre. Le chevalier. Je sais pas comment on va l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des lanternes tout d'un coup, on dirait. Pourquoi il y a des crânes partout? Parce que attends. Là, j'ai vu qu'il y avait une entrée. Parce que si on monte tout de suite, ça veut dire qu'il y a des choses. Regardez, là-bas, il y a un truc. Passage secret. Il faut parler en ASMR. Oh, qu'est-ce que c'est? Désolé de vous avoir manqué, si vous avez perdu, pourquoi ne pas venir dans le magasin d'Hersmo pour acheter une carte de recherche? Ah, c'est le carte. D'accord, c'est le cartographe. Du coup, on a dû rejoindre, d'accord. Quoi? Attends, wait. On est où? D'accord, on est là. Ok, je vois où on est, j'espère que vous aussi. Vu que ce chemin n'est pas indiqué en fait. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a au bout? Oh, beau bâtiment. Se reposer. C'est important. Carte mise à jour. Ah si, regardez. Butte ancestrale. Nous sommes à la butte ancestrale, d'accord, et la carte est mise à jour, on a tout ce qu'il faut, ok, très bien. Écoutez. Oh, qui est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Eh bien, tu n'inspires vraiment pas confiance avec ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'attirer dans les entrailles d'Alonest, mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver est que tu as besoin d'aide. N'en dis pas plus, mon ami. Je vais te donner un cadeau. Un vilain petit sort de ma propre création. Cela sera tout simplement parfait pour un petit être comme toi. Qu'est-ce qu'il va foutre? Testons. Vous êtes mort. Consommer, esprit vengeur. Oh. Appuie rapidement sur B pour libérer l'esprit. Le sort consume l'âme pour régénérer l'âme en frappant les ennemis. D'accord, très bien. C'est un petit sort sur lequel j'appuie sur B. Ok, ça se fait. Hein. Bonjour. Oh, tu es enfin réveillé. Je te présente toutes mes excuses. J'aurais dû te prévenir du pouvoir de ce sort. Je veillais sur toi pendant que tu dormais, mais je me suis endormi aussi. Maintenant que nous sommes tous les deux réveillés, je me demandais si tu m'accorderais une petite faveur. Bien sûr, cela n'est pas pour me rembourser de mon cadeau, mais simplement parce que nous sommes amis maintenant. Non. Il existe une épouvantable et énorme bête qui s'est établie au cœur de ce temple. Quel manque de respect. Je te serais très reconnaissant si tu pouvais t'aventurer un peu plus loin là-bas et la tuer pour moi. C'est une créature robuste, mais avec ton nouveau pouvoir, tu devrais largement pouvoir faire le poids contre elle. Bonne chance, mon ami! On n'est pas amis. Du coup, c'est appuyer rapidement sur B. Oh, d'accord, ok. Calmez-vous. Fais voir. Bah! Oh, le truc, ça l'a atomisé! Mais oui! Ok, je fais des trucs débiles. Ah non! Non! Laisse-moi tranquille. Là, je casse, c'est ça. Parfait. Ok. Hop, on te laisse tranquille. Et là, hop. Juste, c'est juste en fait du rythme. Hein.
Zba, elle s'est fait mourue. Non. Attends. Ok. Parce qu'en fait, ouais, il y a un petit temps de latence. Par contre, là, ça va être compliqué. Ne pas tomber. Je ne suis pas tombé. Et tiens, va te suicider. On n'a pas entendu le petit truc dégueulasse. Tiens. Et là, on soigne. Ok. Oh oui. Donnez-moi. J'ai la puissance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non. De toute façon, tu peux pas revenir. Et non. Là, il y a quoi? Je peux remonter? Non, je peux pas. Non. Laissez-moi. Esquive. Même pas. Mais non. Ok. J'ai fait le con, c'est ma faute. Là, il y a un truc, là. C'est quoi déjà? Ah oui, ça donne des cœurs. Hop là. Dégagez. Donc là, non. Je peux pas en avoir d'autres, monsieur. Non. Putain, mais quel con. Putain, mais c'est pas vrai. Je suis là pour gagner de la vie et je gagne mes couilles. Et donc là. Tiens. Merde. J'étais pas prêt. Putain. Mais non, je l'ai tapé. Va mourir. Vas-y, va mourir. Ce jeu me déprime, ça y est. Ce moment où tu vas passer en god mode. Tiens, vas-y, crève. Ouais, je vais passer en god mode, ne rien dire et jouer et rasser le jeu. Vas-y, dégage de ma vie. Mais connard, arrête de me suivre! J'ai des stalkers! Non. Oh putain. Voilà. Hop. Non. Voilà. 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 Tout petit. T'es tout petit. Hop. Tu vas mourir. Vas-y. Mais oui. Mais non! J'ai tapé en haut! Putain, c'est infernal! Ça répond mal! Vas-y, dégage! T'as cru des choses! Est-ce que le machin est redevenu... Oui! Ok, est-ce que... Oh oui, il est là! On va en profiter! Non! Mais non! Mais c'est... Ah, il y a une frame dégueulasse! Juste une frame, là. Ça t'empêche de taper. Ça te met... Un vieux genre... Non! Ne tape pas! Du coup, tu meurs comme une merde. Du coup, on va se soigner encore, comme des cons. Pour affronter un ennemi qui va être tout pourri, en fait. Oh la vache. Mais bon, petit pas par petit pas, c'est important. Allez, viens. Putain, merde, j'en ai deux comme ça. Vas-y. Allez.
Non. Mais quoi? C'est quoi ce retour? Et bien sûr, j'ai raté le petit gouigoui là qui te donne de la vie. Hein. Laissez-moi mourir en paix. Mais surtout qu'ils s'échappent, les cons. Là, c'est bon. On va le rect. Ok. Vas-y. Non. Ta maman. Spra. Vas-y, reviens, petit. Oh là. Oh oui. Tu es niqué de ta vie. Et là, tout de suite, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Charme récupéré. Capture âme. Équiper un charme pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, d'accord, faut être sur un banc. Et y'a rien. Spa, spa, spa. Bonjour. Enfin, donc tout est réglé. Tu as tué la bête. Cette pauvre bête, elle a dû être terrifiée de toi. Elle était assez docile auparavant. Non, c'est pas sa voix. Mais l'errance de cette caverne l'a rendue enragée. Toujours est-il que tu... Bon, on est marre. Libère-moi, enfoiré. La porte entre nous est ouverte. C'est fou, tu as poussé dessus. Tu peux dire un truc? Pourquoi hésites-tu? Je crains que tu ne puisses plus obtenir... Ok. Voyons voir cette histoire de charme, c'était rigolo. Un bouton de charme. Du coup, je fais ça. Un charme utilisé pour les chamans pour puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure. Oh, augmente la quantité d'âmes. Équipé. D'accord. Je suis d'accord. Et du coup, nous allons sauvegarder Innsmouth. Non, je sais pas, c'est pas Innsmouth, c'est autre chose. Je sais plus. À Westmouth. Ou Hollowmouth. Ou qu'est-ce qu'il disait? Adirthmouth. Ok. Donc là, vu que c'est bon, on est les rois du monde, et qu'il laisse ses cartes partout traîner, on n'a plus qu'à remonter en fait, ce petit truc. Non, les mouches, ça pue. Ok, 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 non, c'est par là, oui, oui, on n'est pas allé là. Putain, cet épisode va être long, c'est pas grave, on explore. Quoi? La voie du pèlerin. Le voyageur d'Alounès traverse les terres sauvages vers d'orienter des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de son royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités relevées. Révélées, ok. D'accord, toi tu es là. Si ça va, ça mène vers Alounès. J'ai pas envie qu'on le fasse maintenant. Ça attendra l'épisode 3. Oui, je suis cruel. Rien à foutre. Attends. Sbé. Trop facile. Hop. Non. Attends, y'a un truc là. Y'a un truc en haut encore. Oui. Non. Oui. Oh, ça, on n'est pas allé encore aussi. Voyons voir ce qu'il y a ici. Mais c'est des petits chenilles. Ah, c'est le papa. Oh, le mec, il verse de l'argent. D'accord, parce qu'on a trouvé ces petits, en fait, ils nous donnent des sous. Mais il y en a énormément. On va jamais pouvoir tous les faire, ils vont mourir à la fin. Écoutez, nous avons bon cœur. Très bien. Ok. Eh bien, je pense qu'on peut remonter la surface. Hop, monter. Et faire ce qu'on appelle de petites emplettes chez nous. Hop. Ah, il est ouvert. Deathmouth, la ville fantôme. Oh là, mais ce thème musical au piano est juste magnifique. C'est chaud. Bonjour. Oui, je m'en fous de ta vie. Vivement recommandé.
Utilise ce charme si on rencontre des difficultés à trouver ton chemin dans la labyrinthe de ruines juste en dessous de nous. Ça peut être plus agréable pour vous, ça. On va prendre ça. On va prendre ça et là, quoi d'autre? Épingle de source chaude, station coléoptère, épingle de marchand, épingle de cocon, épingle de banc. Bof. De la merde. Voulons voir s'il n'y a pas d'autres magasins. Qu'il y avait... Si, celui-là il est ouvert. Tout va bien, entrez. C'est bon. Oh, t'es adorable. Éclat de masque, fragment. Apportant un objet plus grand. Ça peut être bien, ça peut peut-être m'améliorer mon truc de vie. Achetons. Oui. Oh, un masque supplémentaire, très bien. Mec, il a vendu ça 3 copecs. Fragment d'un réceptacle d'âme, une clé simple et 5 cueilleurs. Géo que tu perds en chemin. T'auras invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. Ouais, bof. Plus le fric. C'est bien le fric. Prenons ça. Comme ça, on perdra rien. On va rien perdre. Et du coup, il faut s'asseoir, il faut poser ses petites fesses pour un truc. Carte mise à jour. Tu vois, t'as mis à jour quoi? Rien du tout. T'as... Donc là, on a plusieurs charmes. Boussole murmurante, c'est vrai. Ah. Du coup, faut faire attention. Parce que, en fait, on retire ça, et je vais prendre celui-là. Comme ça, on va récupérer plein de sous et plein d'âmes. Là où on est, dites-moi si ça vous embête de ne pas savoir là où on est. Parce que bah, c'est quand même embêtant pour vous, je sais pas, à voir. Puis sur ce, bah, j'ai envie de vous dire à la prochaine dans le monde d'Earthmoose pour l'instant. Et oui, qu'est-ce que c'est? Une porte en pierre avec une serrure simple. Oh, c'est vrai qu'on a, y avait une clé simple, mais coûtait ultra cher. Bon, c'est pas grave, on verra ça un autre jour. Bah, je vous fais de gros bisous, j'espère que Hollow Knight vous plaît. En tout cas, c'est un jeu super agréable à jouer, c'est vraiment génial, un petit jeu 2D. Même s'il y a ce petit temps quand tu tapes, là, ça se fait, tranquillement. Bah, sur ce, hop, on part au montage, minuit 24 ici, en France, c'est fou. Des bisous à tout le monde, des bisous, je sais pas, des bisous aux Québécois, des bisous aux Belges, des bisous à tous les francophones, je sais pas, à tout le monde qui regarde ces vidéos-là. Et bientôt, la suite du Chevalier Creux. Aujourd'hui, nous avons défait un boss. Demain, nous déferons le monde. Allez, zou!